Nous sommes à Gérez, qui se trouve en Jordanie. C'est le premier site archéologique que nous allons visiter. Face, de l'autre côté, nous sommes en Israël. Voilà, c'est vraiment pas très loin. Nous sommes sur le site de Petra. On va le faire en deux parties. Cette première partie, ça sera la partie basse. Et demain, toute la journée, on fera la partie haute jusqu'au monastère. Donc, tu vois ce qu'on va faire ce prochain jour. Bon, ben voilà, derrière moi, c'est le trésor. Écoutons pas, moi, derrière moi, je dis. Voilà. Thank you.
Petra, acte 2. Aujourd'hui, on continue la visite, sur le deuxième jour, donc la partie haute. Là, nous allons au monastère. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, rien ne peut m'arriver. Et celle-là, elle se mérite. C'est bon? Voilà, et un nouveau jour commence. On a quitté Petra et là on se dirige tout droit sur le Wadi Rum avec une superbe route et sans dodan. Voilà la route. You can't come in the back because there's enough bank. Bon, nous sommes arrivés au Wadi Rum et là nous partons 4x4 mais dans le désert. Didier. Racing. Étoile des neiges. Non? Non. Non? French singer. Non. C'est French singer. Bedouin music. What? For example. The here. Let's go. You can sing? No, me no. It's raining. <Yeah. laughs> Thank you.
Là, on est toujours dans le désert du Wadi Rum. On traverse un canyon à pied et notre chauffeur nous attend de l'autre côté. Donc une belle promenade dans le sable. Voilà l'image. Nous avons passé la nuit dans le Wadi Rum, il est 6h du matin, et on se réveille avec ce spectacle-là. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Après notre lever du matin, maintenant nous prenons la route pour Akiba. Pour une heure de route, on va pouvoir voir la mer Rouge. Donc voilà. Ben, nous sommes à Amman, capitale de la Jordanie, une ville très calme où on ne s'entend pas parler. Voilà, si on n'a pas un klaxon, on n'avance pas dans la rue. Voilà un petit peu la ville. Nous sommes aujourd'hui au site archéologique de Amman. Nous allons faire une visite avant de récupérer l'aéroport puisque c'est notre dernier jour de vacances ici. Voilà une vue du site.